c'est l'Angleterre. Et c'est en fait de paradis que Monique Corfeuille s'est illustré au meilleur du monde, car, on va en parler dans quelques instants, la course qui a remporté les Great Frontier Stakes 1 ou 2, il a battu plusieurs vainqueurs de groupe 1. Monique Corfeuille, qui a donc déjà, vous pouvez constater pour ceux qui étaient là l'année dernière, beaucoup changé physiquement par rapport à l'année dernière, qui est toujours très souple là, voilà. Fait la montre à part de la part routière et nous allons demander à un courtier international, Richard Bell, qui va se lever. Alors, il est étudiant en anglais, il est fait se faire connaître, il est effectivement anglais. Richard Bell, qui parle français absolument parfait, donc on peut s'exprimer en anglais, qui a fait la compétition, oui, un français très approximatif, qui a fait la compétition de ce monument de vie, il a déniché en Angleterre pour le Havre de la part routière et parce qu'il est ici, Richard, qui va nous expliquer pourquoi il a remporté ce cheval pour la France. Alors d'abord, première chose, c'est que pourquoi il a pensé qu'il allait au marché français, c'est qu'il est un cheval polyvalent dans ses capacités. Il a montré de la tenue, parce qu'il s'est imposé